prenant la parole en premier au cours de cette conférence de presse, Yves Makaya, secrétaire général des Brasseries du Congo, a dévoilé le nom de la campagne promotionnelle, baptisée Croire Magique, dont l'objectif est de rassembler les Congolais et tous les amoureux du football à partager leur passion à l'occasion de la Coupe du Monde en novembre prochain. Puis il a rappelé les valeurs et la puissance du football comme vecteur de cohésion sociale. Nous sommes très heureux de vous dévoiler le nom de la campagne que nous avons baptisée « Croire, c'est magique ». Depuis 70 ans que nous sommes présents au Congo, Brasco, une véritable success story congolaise, a compris une chose. Le football occupe une place toute particulière dans la vie des Congolais. Cette campagne est donc une véritable démonstration de l'engagement de Brasco auprès de la jeunesse de notre pays. Dans le cadre de cette campagne Croire c'est magique lancée par Brasco et Coca-Cola, un programme riche en événements et en prix à gagner est prévu. Jean-Flavien Kaniki, directeur des ventes de Brasco. Nous avons voulu, au travers cette campagne, susciter la joie et l'enthousiasme des Congolais pour cet événement majeur qu'est la Coupe du Monde de football. Le mécanisme de cette promotion capsule est très, très simple. À l'achat d'une bouteille de Coca-Cola en verre, on a bien précisé parce que nous avons le Coca-Cola en verre et en plastique, on appelle le PET. Donc, lorsque vous décapsulez, il y aura un code sous la capsule que vous pouvez envoyer à un numéro WhatsApp, numéro plus 242 06 735 56 56. Et remporter un voyage, tout frais payé pour la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar. Le lancement de cette campagne promotionnelle qui intervient lors du 70e anniversaire de Brasco constitue une opportunité de réaffirmer et renforcer la politique sociale de l'entreprise au Congo à travers différents volets.